va se finir la première maison. Et en torchis ? Ah non ! Pierre. Dité, pierre. Ok. Donc, j'ai de la planche. Rondin. 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 Donc il me faut 6, 12, 13. 13, il m'en faut 31. Une planche. Alors, j'ai passé. Oh, génial. On avait vu les paysans faire la même chose. 58 planches. Putain, je crois que c'était le nombre de... Et merde. Bon bah du coup j'en ai assez hein, de planches. Bah de toute façon je dois faire des sauts. C'est bien comme ça. Très très bien. Je regarderai comment c'est à l'intérieur une fois qu'on a fini. Vas-y, fais voir, vous m'arrivez. Quoi? Mais c'est tout vide. Qu'est-ce qui manque? Il manque un truc? Attends, je vais refaire un marteau. Oui, j'ai pas de rondin. Ah bravo hein. Qu'est-ce qui manque? Ah il y avait des trucs à l'intérieur, j'avais pas vu. C'était quoi? Des rondins. Et merde. Yes. Oh, elle est bien, elle est spacieuse. 4 lits. Et... Ok, ok. On a ça, on va faire des sauts. Alors le mec lui demanderait de faire des planches hein, aussi. On va faire quelques sauts. On va en faire 5. C'est pas un saut ça, c'est un godet ça. Fabriquer. Non, c'est tout. Non, mais je vais pas mettre quelqu'un pour ça. Je vais pas mettre quelqu'un pour ça, ça va pas être possible. Alors ça, c'est... Entrepôt de ressources. Alors, ça c'est la bouffe.
Est-ce que ça comprend l'eau? Ça va être un petit souci. Donc les baies, déjà, je vais les foutre là. Ça sera plus simple. Viande grillée. 50%. Oui. Alors, déjà les seaux d'eau. J'ai un petit peu de pourriture. Je sais pas comment on la transforme en fumier, la pourriture. Viande grillée, 50%. Et j'ai envie de l'utiliser. Alors, est-ce que la viande qui a 50% se transforme en 100% mode viande grillée? Je vais déboler chez moi. Les assiettes, on les fait comment les assiettes? Des rondins. On va finir par couper tout. Hein. Bois de chauffage, dis-moi tout. 1 pour 4. Fabriquer. Comme ça, ils auront bouffe, bois et eau. 20 bois de chauffage, ça doit aller. Ça doit être dans les ressources, ça doit être dans celle-là. Parce que c'est pas de la nourriture. Je pense que la nourriture, ça doit faire aussi l'eau. Donc les épieux... J'ai trop de trucs, il va falloir que je mette des trucs de côté, mais le problème c'est que j'ai un coffre où il y a pas de poids dedans. Bon, où est-ce qu'on est mon bois? Ah, bois de chauffage, il est là. Voilà, bois de chauffage, nourriture et eau. Alors j'ai de la viande à 50%, si je la cuis, est-ce qu'elle se retransforme en 100% ou c'est du 50% en viande grillée? J'espère que c'est du 100%. Alors attends. J'ai de la viande à 100% et j'ai de la viande à 50%. Mais j'ai pas de place ici. Bouge pas. Je vais dégager la viande qui est à 100%. Que je pourrais le faire là. C'est chez moi après tout. Hein. Donc... la viande, celle-là, est à 100%. Accepté. Alors, pour l'instant, j'ai que de la viande. J'ai que de la viande grillée à 50%. Si je cuis de la viande, qui est à 50%. Viande grillée à 50%. Viande grillée à 100%. Ok. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Du coup, je vais reprendre. Oui. Je vais boire. Je vais manger. Mmh.
On est bien. On est très très bien. Oh, je vais leur foutre toute la viande. Toute la viande grillée que j'ai. De toute façon, je vais en faire d'autres. Grillé 50%. Leur enfiler 30, 25. Mais... 25 viandes grillées. Ah, attends. Attends. Deux petites secondes. Ça, donc viande à 50%, viande à 100%. Pour l'instant, on va le mettre. Viande grillée à 100%. Parce qu'il y a de la cuisine que je peux faire. Et il me faut de la viande grillée. Donc, est-ce que la viande à 50%, je peux la cuisiner? Je pense que ça serait pas mal. Teste des trucs. Hein. 40 assiettes. Ma petite bicoque à moi, tranquille. C'est pas un... non. Des chaudrons. Il me faut ça. Bol en bois. Ah, j'ai fait une assiette. Mais les assiettes, ça sert à quoi? C'est ça? Assiette en bois. Putain, mais il y a des trucs avec des bols et d'autres avec des assiettes. Bon. Je me déteste. Donc là, il me faut plus de bolets et des latères pour faire cela. Après, j'ai du chou. Alors j'en ai beaucoup de choux. Ah mais il faut de la viande crue là, par contre. Il va falloir couper quelques bois. Mais il va falloir... Putain, j'ai acheté le truc pour les bols seulement en plus. C'est ça? Bol en bois. Et oui, naturellement. Allez, obligé de l'acheter. Saleté. Bol en bois. Merde. J'ai oublié d'appuyer sur R. On va en faire... C'est cool, merci. Hop. 35 bols, ça devrait aller. On va se faire de la bonne bouffe, là. Alors, Seb, Bolé, élevé, lactère délicieux, ah oui. R, 25. Ça devrait donner quand même pas mal d'XP, ça, non? Merde. À chaque fois j'oublie d'appuyer sur R. Je peux en faire. Ah oui, j'ai que 3 viandes. Ok. Et du coup, au niveau bouffe, donc viande grillée, on en a encore 30. Ça, je vais, je les bouffe, c'est pour moi. On a du bon potage. Deux potages et
Et les autres sont où? Ah oui, soupe aux champignons. 30. Oh mais on se croirait en Normandie. Nouveau bâtiment, cabane de pêche. Oh yes! Technologie. Abri d'excavation. Putain, il en faut encore. Il en faut quand même pas mal. Cabane de pêche. Un temps de Bretagne. Attendez la réflexion. Arc long. Alors j'ai même pas fait mon arc normal, donc on va faire bientôt un poulailler. C'est vrai qu'on a une forge aussi. Putain, mais on a tellement de trucs là. Il faut acheter les planches, je suppose. Comme d'habitude, le capitaliste. Mais abritez-vous, très cher. Elle a mis quand même le turban là. On va préférer 100 quand même. Hein. Bonjour étranger. Alors, un petit peu de romantisme. 63% quand même. Hein. Donc on a quoi? J'ai jamais ressenti un tel amour. Non, vous n'avez jamais souhaité être dépourvu d'intelligence. Aussi simple que possible. Je pense que c'est déjà le cas, mais après, je la connais peut-être pas assez. Savez-vous pourquoi c'est des ours? Non, pas les ours. Certaines personnes passent leur vie à essayer de comprendre l'amour. Mais l'amour ne doit pas être compris, il doit être ressenti. C'est beau ça. Et merde, moins 5. Qu'est-ce que ça fait de vous, un expert? Super, merci, connasse. Alors, non, elle doit réfléchir. Putain. Goodbye. Il pleut comme en Bretagne. J'y suis jamais allé, moi. C'est des on-dit, ça. Bon, il n'y a que des femmes. Trois en chasse, pas mal. 2 et 2. Ah, elle, je peux pas. Je peux pas la recruter, elle. Par contre, elle, si. 3 en chasse. Hail, friend. Je suis en train de créer un nouveau village et je cherche de braves gens prêts à se joindre à moi. Comme ça, elle va faire de la chasse un petit peu. Cela ressemble à ce que je cherchais avec plaisir. Super, à plus tard. Yes. Alors, je sais qu'il y a un truc de gestion à faire. Afficher les détails. Assigner une maison. Maison ordinaire. Accepter. Lieu de travail. Pavillon de chasse, emplacement vide, chasseur, c'est bon, pavillon de chasse, ok, c'est cool. Bah, normalement, c'est dans la grange, ça, donc normalement, elle devrait les avoir. À moins qu'il y ait un autre truc, ah bah c'est elle, Ida. Bonjour, on se connaît. Bonjour Ida. Je suis venu pour la peau d'Unighost. Hors de ma vue, gamin. Je l'ai gagné à la loyale. Gagné? Ah, cette vipère ne vous en a même pas parlé, hein. Pas étonnant. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Il voulait seulement que je récupère sa peau. C'est ma peau maintenant. D'accord, on se calme, hein. Alors, que dois-je faire pour obtenir votre faux? Vous pouvez me l'acheter, bien entendu, ou on pourrait la mettre en jeu. Quel est le jeu? Le même jeu qui a fait qu'Unighost a perdu tout son argent et une faux. Un jeu de devinette. Comment est-ce qu'on y joue? C'est simple. Je vais vous énoncer trois énigmes. Vous devez répondre
correctement au 3, une erreur et vous avez perdu. Si vous gagnez, je vous donne la faux. Et si je perds, je vais aller doucement avec vous cette fois-ci. Si vous ne gagnez pas, vous ne me devrez rien. Vous perdrez juste la chance de pouvoir obtenir la faux gratuitement. D'accord, dites-moi la devinette. La première. Qu'est-ce qui disparaît à l'instant où on prononce son nom ? Le silence. Correct. Prêt pour la suite ? Écoutez. Nourris-moi et je vis, mais donne-moi à boire et je meurs. Nourris-moi et je vis, donne-moi à boire le feu. Oh, vous êtes doué. Déjà meilleur que Monsieur le Grand Castellan. Mais résoudrez-vous cette dernière énigme. Écoutez bien. Je peux voler, mais je n'ai pas d'aile. Je peux pleurer, mais je n'ai pas Dieu. Où que j'aille, l'obscurité me suit. Qui suis-je ? Alors attends. Je peux voler, mais j'ai pas d'aile. Je peux pleurer, mais je n'ai pas Dieu. Un nuage. Yes ! Donc vous êtes futé ? Bravo, vous avez gagné la faux d'un vieil homme. Il n'y a pas meilleur cadeau. Merci pour le jeu, je me suis bien amusé. Prenez soin de vous. Et moi qui pensais que vous alliez me proposer un défi. Non, non, on va pas se la jouer. Hein. On est déjà bien content. On est déjà bien content d'avoir récupéré la peau. Ah, on a une quête. Alors, je vais déjà rendre la quête de Monsieur Unighost. Vous êtes déjà de retour ? Hey, Unighost, j'ai votre peau. Parfait. Vous avez rencontré des problèmes sur la route ? À vous de me le dire. Est-ce qu'il y en a eu ? J'ai peut-être oublié de mentionner un minuscule détail. Ah, vraiment ? Comment avez-vous fait pour récupérer ma peau dans ce cas ? Avec mon esprit vif. Dans ce cas, vous êtes plus intelligent que moi. En doutait-on ? Ne soyez pas un gamin arrogant. Bref, j'ai du nouveau. Tambor vous cherche. Moi ? Vous êtes sûr ? On m'a dit qu'il cherchait quelqu'un au regard étrange et au visage stupide. Je vois. Très bien. Je ne prolongerai pas cette humiliation. Je vais aller le chercher. On ira à l'occasion. Hein. Il y a ce monsieur qui me propose une quête. Ah, oui. Ravi de vous rencontrer. Puis-je vous aider à quoi que ce soit ? Vous avez l'air d'être un combattant robuste. Pourriez-vous nous aider ? Que se passe-t-il ? Quel est le problème ? La nuit, nous entendons d'horribles hurlements. Nous n'arrivons pas à fermer l'œil. Seriez-vous assez aimable pour nous débarrasser de ces loups ? Des loups ? Ouais. Merci. Bien sûr. Bien sûr. Alors c'est bon, elle a tout ce qu'il faut. État, il n'y a aucun problème. Pour l'instant, elle fait un peu la gueule. Mais ça va s'arranger. Viande grillée. Là, on est bon. Journal. On a Unighost, l'histoire d'Alvin. Parlez à Alvin. Hurlement nocturne. 3 loups. 10 flèches de piège, une torche. Réputation 50. Il est où Alvin ? Viens ici. Mais il travaille dans les champs, il pleut. Ouh, la belle bête. Il est fou cet Alvin. Je peux pas vous... Alvin ? Eh, hey, Alvin, salut ! Bonjour Alvin, quoi de neuf ? Vous semblez différent. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je comptais faire de ma vie.
et ce que je désirais vraiment. Et je veux tenter quelque chose de différent. J'aimerais apprendre à tirer à l'arc. Cela semble être une bonne décision de vie très sérieuse. Pour moi, c'en est une. Pourriez-vous m'aider à trouver un chasseur qui vend des arcs ? Je ne sais pas ce qui m'attend sur la route. Et vous avez l'air de bien savoir comment survivre. Un voyage imprévu, dites-vous ? Comptez sur moi. Parfait, ouvrez la voie. Nous pouvons aussi demander à Falibor où réside le chasseur. Allez, allons-y. L'histoire d'Alvin. Faudrait que je m'occupe aussi de la grange. Et là-bas. Alors, est-ce que j'ai gestion 20 bâtiments? Ah oui! Ah, mais je suis large! Je suis plus que large en bâtiment. Je pensais que j'étais encore un petit peu juste. Mais pas du tout. Ah, mais il lui faut un truc pour chasser à elle, non? Chasse. Et t'as aucune affectation. Mais si, elle est là. Couteau. Ah, c'est ça. Il faut des couteaux pour la chasse. Je vais lui en faire. Ouais, je t'ai vu, toi. Hein ? Putain, mais... Espèce de con ! Putain, mais faut l'emmener jusqu'à là-bas ? Bon, ben, on va l'emmener jusqu'à là-bas. Putain, il m'a fait flipper ! Putain, mais quelle idée ! Oh, le connard, quoi ! Ah, mais ils se réunissent tous autour du feu, là. Y'a toujours pas un con que je peux... Non, y'a que elle. Hein. C'est qui? C'est lui, Falibor. Bienvenue. Bonjour. Il y a quelques temps, vous avez parlé d'un certain chasseur qui vendait des arcs. Pourriez-vous nous dire où nous pouvons le trouver? Oui, mais ce n'est pas le, mais là. Elle s'appelle Gisela et vit dans le village de Lesnica, loin à l'ouest. Merci, passons à autre chose. Faites attention dans les forêts et sur la route. Je vous préviens, Gisela n'est pas commode. Nous allons redoubler d'attention. Merci pour vos conseils. Loin à... Ah oui, oh là là. Ah oui, mais loin à l'ouest. Ah oui. Ah oui, oui, loin, très loin, très très loin à l'ouest. Ah, du coup, juste un truc. C'est quoi? Abri à bois, pavillon de chasse, aucune affectation. Ah, c'est ça. C'est ça. Donc il me faut je vais mettre 40% de viande. Avec la viande, tu vas me faire ressources manquantes, oui, mais ça je m'en doute. Tu vas me faire 10% de viande séchée. Un petit peu de cuir, un petit peu de fourrure, des plumes. Intensité du travail total 90%. Là, c'est quoi? Production. Ça, c'est ce que j'ai. Que je l'ai déjà mis. Est-ce que son humeur... 28%.
Elle a bien grimpé. Donc, c'est ici. Non, pas ça. Ça. Couteau, je vais lui en faire 5. Je pense. J'en veux plus d'attendre. C'est le boulot avant le week-end. Ouais. Alors. Couteau. Moi, je vais garder mon couteau à la con. Je vais lui mettre 5 couteaux de pierre. Comme ça, elle pourra bosser tranquille. Mais... Alvin, casse-toi. Casse-toi. Sinon, je te défonce. Et chier cette Alvin, alors. Toujours au milieu. Bon, il faut que je trouve... J'espère que dans l'autre... Dans l'autre village où on va aller, on va pouvoir trouver un gars qui est fort dans le... Dans la récolte. Ça serait plutôt pas mal. Et alors, fabriquer soupe de champignons. Il me faut des bols en bois encore, une vingtaine. J'en ai 8, il m'en faut au moins 12. Je vais fabriquer des bols en bois. Comme ça, on va se refaire à bouffer. Est-ce que je peux me faire des bols? Ouais. Donc 3. C'est par 5. Hein. Donc. Voilà. On va se refaire bouffer tranquillement. Il est toujours là. Ouais, il est toujours là. Bien sûr, il s'est pas perdu. Ça serait trop beau. Alors. Petite soupe aux champignons. Il veut quoi le type? Ben je dois l'emmener à quelque part pour qu'il achète un arc en fait. Donc bol en bois et il me faut de la viande. Donc au niveau des pieux j'en ai 2 à 25%. Et après j'en ai 5. Ok. Bon bah on va pas dormir parce que le mec j'ai pas envie qu'on me regarde dormir, j'aime pas ça moi. On va aller directement, on va boire et bouffer hein, déjà. Ce sera déjà pas mal. Et là encore entre 4 murs. Mais t'as intérêt à boire et bouffer hein. Parce qu'on s'arrête pas pour pisser, hein, je te préviens. Pas intérêt à me faire chier. Viande grillée. Bon, bah, c'est parti. Alors, on y va en mode forêt. Il va falloir faire attention aux animaux sauvages. Pour ça. Oh là! Il y a plusieurs loups. Merde. Non, deux loups, je suis mort. Non, je suis mort. Non, mais deux loups, c'était pas gérable. Oh merde! Non, je cours! Je cours, Marcel!
Laissez-moi tranquille. Vite. Vite. L'eau. L'eau. De l'eau. Est-ce qu'ils vont dans l'eau? Je pense pas. C'est bon. C'est bon, je m'en suis sorti. Putain. Oh bordel. Est-ce qu'il me reste des pieux? 3. Ouais, lui, même pas, il m'a aidé, quoi. Ouh, il a pas aimé, hein. Il a pas aimé. Là-bas. Tel le chasseur aguerri. C'est quoi ce qui est à gauche sur le milieu de la route? Je dirais une espèce de raton laveur. Dans le fion. Alors ramène-moi ta gueule, hein. Alors est-ce que compétence un petit peu plus d'XP quoi? Ah oui, encore un point. Ok. Journal. Hurlement nocturne. Trois loups, fini. Bon, par contre, je suis dégoûté d'avoir perdu la première proie. Alors par contre, j'ai semé mes pieux. Il faudrait que je les récupère quand même. Ok. Ouais, je suis un petit peu dégoûté pour le loup que j'ai perdu là. Dommage qu'avec la vision, on peut pas voir au moins les cadavres. T'as de la chance. Il m'a repéré à l'odeur. Bon. Quoi, c'est un sanglier que j'ai entendu? Non. Et des renards. Bon ben tant pis pour le cadavre de loup. C'est bien dommage.
Merde. Je visais comme un pied, hein. C'est de ma faute. Combien de pieux là? Non, pas compétence ça. 6, ça va. 6, on est toujours ok. Faut passer par là-bas. Je vais voir ici. Il y a un petit gadget. Ouh, il est bon lui. Il est très très bon. Je te veux avec moi. How can I help you? En train de... Un petit nouveau village. Ça ressemble à ce que je cherchais avec plaisir. Super. Alors, gestion, Igbert, maison ordinaire, ils vont se mettre en couple, accepté, lieu de travail, abri à bois, emplacement vide, bûcheron, faut juste que je lui fournisse des haches, j'ai oublié de faire des haches. Pas de nourriture, pas d'eau, pas de bois, mais il aura ce qu'il faut de toute façon, c'est le temps qu'il se réveille. Maison ordinaire. Mais il y a tout ça, qu'est-ce qui me casse les noix là? Ah c'est bon, tout a disparu. C'est bon, les tailles sont bons. Donc elle, elle est à 3 avec que des 1, lui il a quasiment que des 3 et des 2. Lui il est bon lui, lui il est bon. Bon, ça c'est fait, on va continuer notre périple avec l'autre abruti. Je vais boire. Ah, je peux pas boire dans leur puits. Oh les radins. Ah, j'aurais payé. Ingrida. Oh, elle est pas mal au niveau de la ferme, elle. Va falloir que je vienne la chercher au moins pour travailler à la ferme. Il est où? Grésila. Bonjour. Que voulez-vous? Bonjour, mon ami Alvin aimerait vous acheter un arc. Votre ami a perdu sa langue. Non, bien sûr que non. C'est juste que c'est plutôt moi qui parle. Vous me tapez sur les nerfs tous les deux. Aucun doute. Vous faites la paire. Maintenant, arrêtez de jacasser et venez-en au fait. Montrez-nous vos marchandises. Bien, on commence à être sur la même longueur d'onde. Faisons un marché. Génial. Alic, pourquoi tu ne lui parles pas? Elle est juste là. Et une tête d'ahuri. Hein. Je suppose que je vais devoir retourner me changer maintenant. Elle avait l'air agacée et n'a sûrement rien tué depuis un moment. Ou personne. Elle est intimidante. Elle mange probablement des ours au petit déjeuner. Eh bien, vous avez déjà un arc. L'expérience viendra avec le temps. Venez, prenez ça. 20 points de dynastie. Quelques flèches que j'ai récemment acquises. Vous m'avez aidé encore une fois. Aucun problème à tout moment. On peut... Oui, on peut lui acheter des trucs. Alors attends. Alors on peut lui acheter des arcs. 135 le prix de l'arc. 135 le prix de l'arc. Dégâts 35. L'arc long 55, l'arc courbé 45. Et pourquoi l'arc courbé il est plus cher? Pourquoi il est plus cher que l'arc long? L'arc courbé, je vois pas. Ah, peut-être qu'il met moins longtemps à charger les flèches. Tu viens de lui acheter un arc et la meuf elle t'envoie chier. Le sens du commerce. Ah bah c'était l'époque, hein, tu le sais.
On se chiait dans les bottes à l'époque. Maintenant que t'es là, alors les bolets amers, je pense pas les utiliser, donc ça fera toujours 23. Amatite de mouche, pour l'instant je l'utilise pas, on s'en fout. Bolet, bâton, cervoise. 360, allez c'est cadeau. La petite chicorée du matin, ça, ça je le garde. Hein. Ma petite chicorée du matin. Pour l'instant, ça je ne l'utilise pas. Potion d'endurance. Les potions, je vais les garder. Les potions, je vais les garder parce que on sait jamais. Soupe de champignons, elle est 15. Elle se fout de moi. Have a good day. Oh, une charrette renversée. Est-ce que je l'ai fait celle-là? J'ai dû. Oh! Oh! C'est pas beau ça? Je voulais un arc, j'ai eu un arc. Oh, des flèches. Voilà, j'ai eu mon arc. Salut, Bad Little, comment tu vas? Donc les pieux, ça la pelle, on s'en fout. On va se mettre un petit arc. Pas de flèche, comment ça pas de flèche? Faut se fabriquer un carquois, c'est ça? J'ai bug dessus l'arc. J'ai toujours préféré le long finalement. Ouais, je verrai. Hein. Je verrai, je ferai des tests. Il me faut un carquois. Là, ils auraient pu mettre un carquois avec. Hein. Bon, c'est pas grave. On était allé sur cette île là. Ah non, ici on n'est pas allé. On est allé sur celle-là, mais pas sur celle-là. Il me semble. Lol. Bah même pas. Même pas. Y a rien ici? Ou c'est là où on avait chopé la pelle? Oh! Mais non! Il est parti avec une lance dans le cul! Tiens! Ouh, dans la gorge. J'ai fait une petite trachéite là. Merde, j'ai pas de couteau. Dix plumes, quatre viandes. Non mais c'est un appel au meurtre là. Non mais déconnez pas les gars. Je l'ai carrément transpercé le canard. Bonjour. Bonjour Léopolda. Comment vas-tu? 58%. Je vous parie ce que vous voulez que à la fin de la conversation je suis à moins de 50. Alors. J'entends dire que nos voisins. Ah, les grenouilles elles aiment, ça je le sais. 65. J'ai envie des oiseaux. Non, ça, je sais qu'elle aime pas. Savez-vous pourquoi les ours... Non, ça, je... Elle aime pas l'humour. Elle aime pas l'humour. C'est tout pourri, en plus. Le scribe, je crois qu'elle... que c'était à chier. Je vais tenter l'ours.
Plus 5. Oh, plus 5. Bah dis donc. La première chose à laquelle je pense quand je me réveille. Pas sûr. Moi, le meilleur remède contre le rhume, c'était toujours un bouillon et doses de poulet et d'herbe pour vous. Ouais. Les gens qui sont fiers de ce qu'ils sont sont rares de nos jours. Je suis heureux de vous avoir rencontré. L'ours plus 5. Ouais, ben ouais. Je dirais plutôt ça. On est à 70% pour lui faire un petit compliment. La première chose qu'on pense dès le réveil, c'est elle. Oh, plus 7, plus 7. C'est beau. Votre sourire est plus chaleureux que le feu du camp lui-même. Plus 0. Non, elle s'en bat les couilles. Elle s'en fout. Le script que j'ai rencontré au cours. Non, ça, on sait qu'elle s'en fout. Vous êtes très raffiné, j'aime ça. Moins 3, super. Bon, on est monté. C'est déjà ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est déjà ça. Donc, du coup, je voudrais rendre la quête que j'ai parce que c'est une quête temporaire. Et je voudrais m'en débarrasser. Bon, je la lance hein, pour parler aux habitants. Il commence à faire bientôt nuit. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Salut, les loups sont morts. Oh, c'est un soulagement. Merci beaucoup. Nous nous sommes cotisés et avons préparé une récompense pour vous. S'il vous plaît, acceptez-la. Merci. Argent, torche, flèche en pierre. Cet épisode se termine, merci de l'avoir visionné. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fera plaisir, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt.